Bonjour, je suis en Russie, je suis à Novosibirsk. C'est la troisième ville du pays et c'est la capitale de la Sibérie. Je vais vous faire découvrir l'Alliance française de Novosibirsk. Et pour cela, j'ai rendez-vous avec Irina, sa directrice, et c'est au quatrième étage de ce bâtiment. Venez. Bon, l'Alliance française, on peut pas la rater, il y a des logos partout. Ah, oh, puis c'est sympa, il y a même Destination Francophonie. Ça, c'est sympa. Allez, on va aller retrouver Irina. Bonjour Irina. Bonjour Ivan. Il fait bon chez toi, moi. Oui, parce qu'il fait froid dehors. Irina, on est quand même mieux sans manteau. Oui, bien sûr, parce qu'il fait froid dehors et il fait chaud ici. C'est ça la Sibérie, hein. Il fait froid à l'extérieur, mais il fait chaud à l'intérieur. Exactement. Comme à l'Alliance française. Tu me l'as fait visiter? Oui, bien sûr. Et on commence par la plus grande salle. Bonjour. 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 Au travail, mes collègues. Elena, notre responsable culturelle, elle nous aide à organiser à chaque événement culturel et en alliance et hors mur de l'alliance. Et je te présente Déborah Leclou, mon assistante. Bonjour. De France. Elle est venue ici d'Alsace, de Strasbourg. Oui. Super. Pendant combien de temps? 2 ans. 2 ans, génial. Et Bureau Campus France. Bonjour. Et Svetlana Ashkarina, responsable du Bureau Campus France pour toute la Sibérie. Bonjour. Juste toute la Sibérie. Pour toute la Sibérie. Bonjour, quel plaisir de vous voir. Ça fait quoi la Sibérie de Novosibirsk à Vladivostok, c'est ça? À Vladivostok, à peu près 4000 km, même plus. Et donc, Svetlana travaille ici sur 2 mètres carrés, mais bon, vous imaginez, elle est responsable pour toute la partie ouest de notre pays. Anna, responsable des cours, elle sait tout sur les cours, elle connaît chaque apprenant de l'Alliance française, les petits, les adolescents, les grands. Elle est notre fée de l'Alliance. Super, la fée de l'Alliance, qui sait tout sur les étudiants. Qu'est-ce que vous organisez dans cette belle salle? Des fois des cours. Mais plus souvent, les événements pour les étudiants, les rencontres, disons, culturelles, les soirées thématiques, le club de conversation, tout ce qu'on peut inventer. Parce qu'il y a un seul centre culturel français à Novosibirsk, c'est ici, c'est l'Alliance française. Oui, malheureusement, ici à Novosibirsk, c'est un seul centre culturel. On ne compte pas Akadiam Garadok parce que ça c'est loin. L'Alliance française de Novosibirsk a été créée il y a 16 ans. Il fonctionne dans les mêmes locaux et à peu près avec la même équipe. Et nous sommes heureux d'être ici et de travailler ensemble. Donc les gens connaissent à Novosibirsk, connaissent l'Alliance française, savent où elle se trouve. J'espère, hein. J'espère. Elle est en centre-ville, c'est ça? Oui, c'est situé en centre-ville sur la rue qui s'appelle Krasny Prospekt. Les gens connaissent l'Alliance française pas seulement par sa position géographique, disons, mais aussi parce que pendant des années et des années, nous organisons les événements culturels et je comptais, pendant 16 ans, nous avons fait plus que 500 événements culturels avec le soutien de Campus France, de l'ambassade, de l'Institut français à Moscou. Et voilà, c'est la visibilité. Et d'ailleurs, là, on est en pleine semaine de la francophonie et du coup, vous organisez plein d'événements cette semaine-là. Cette semaine-là, déjà mercredi, le 20 mars, nous avons le concert de formidable Mina Agossi. C'est afro-jazz, jazz ethnique. Et Mina Agossi, elle a le concert à Vladivostok, à Irkoutsk, à Ekaterinbourg, à Novosibirsk le 20 mars. Et nous sommes ravis. Tout était vendu il y a une semaine. Il n'y a pas de place disponible. Donc, et vraiment, on attend la belle fête de francophonie au bout de 2 jours. C'est-à-dire que sans vous, il n'y aurait pas forcément tous ces concerts, tous ces événements, tous ces festivals de films que vous organisez ici? Oui, c'est l'Alliance française avec le soutien de nos partenaires. Nous avons c'est l'Académie de branche sibérienne de l'Académie des sciences, le Centre culturel Cinéma Pabeda, les bibliothèques de la ville, le ministère de la culture de la région. On a vraiment le réseau de partenaires assez vaste et important. Et vraiment, ça, c'est le résultat de notre travail pendant ces 16 ans et vraiment l'amour des gens de Novosibirsk pour la langue française et pour ce pays formidable. Justement, Irina, est-ce que tu peux me présenter un petit peu justement l'espace pédagogique de l'Alliance française? Et même les pédagogues. Ah, super, on y va. Je te suis. Allez. Ivan, je te présente Philippe Tristan. Bonjour. Le professeur de français. D'accord, vous avez combien de professeurs de français? En fait, 14. 14 professeurs de français. 14. Et combien d'étudiants en tout? Dans l'année, c'est à peu près 400 étudiants parce que nous sommes petits par rapport, je sais pas, à l'Institut français et par rapport aux autres alliances européennes.
Mais c'est beaucoup par rapport aux alliances de la Russie. On commence par les salles. Une salle de cours. Nous avons 500 de cours, mais c'est nécessaire. On utilise mon bureau et l'espace de travail. Pour les salles tout de cours. Est utilisé parce qu'il y a tellement d'apprenants le soir, plutôt le soir parce que les gens travaillent et le seul temps quand ils sont disponibles, c'est la soirée, quoi, que tout est pris. Il n'y a pas de place disponible. Et voilà, c'est ma salle préférée, la plus grande ici. Assez bien aménagé avec la petite bibliothèque. Ça, c'est votre médiathèque en fait. En fait, nous n'avons pas de médiathèque pure parce que tout est numéroté, numérisé. Nous utilisons, si nécessaire, la CultureTech, les ressources numériques offertes par l'Institut français de Paris. Ça, c'est pour la vieille école, pour celles qui aiment toucher un vrai livre, hein, un vrai bouquin. On peut trouver quand même de la littérature en français. Si des gens ont envie de lire, il y a un coin pour les enfants aussi, c'est ça? Facilement, oui. Il y a un coin pour les enfants, il y a un coin pour les spécialistes aussi. Et il y a la littérature, il y a un grand classique de la littérature française aussi. Irina, j'imagine, c'est comme en Russie, il y a une vraie tradition de concours ici. Vous organisez plein de concours. Oui, nous organisons beaucoup de concours, pas chaque mois, je t'avoue, mais pour la francophonie. Bien sûr, avec le soutien de nos collègues de l'ambassade, nous avons organisé deux concours, la dictée fédérale, donc l'étape régionale de la dictée fédérale, pour les apprenants de français, et aussi le concours de la déclamation artistique, ce qui est assez neuf pour nous, parce que jamais avant nous n'avons organisé des choses tellement intéressantes. Nous avons invité pour le jury les actrices et les acteurs du théâtre de la ville, francophones. Et bien sûr, nous avons la gagnante qui passera 2 semaines en France. Et ça, c'est le grand prix. D'accord. Pourquoi c'est important d'organiser des concours? Bien sûr, pour attirer les jeunes et les adultes tout âge vers l'Alliance française. Puis, pour motiver les gens à apprendre cette belle langue. Vraiment, c'est un outil de motivation. Et pour faire la promotion de la culture, parce que ce n'est pas toujours les concours de langue, de linguistique sur la francophonie. Parce qu'il y a aussi le concours culturel. On lance les concours, on fait les objets d'art, les cartes de Noël, etc., etc. Et bien sûr, nous avons des beaux cadeaux de nos partenaires. Et ça motive. Et ça motive. Ça motive toujours. Ça motive parce que jamais la culture française ne peut exister seule. C'est que dans la symbiose, dans la synergie avec les centres culturels de Novosibirsk. Irina, toi, qu'est-ce que tu aimerais dire à des gens qui aimeraient découvrir l'Alliance française de Novosibirsk? Je dirais, n'hésitez pas à monter le 4e étage. Bienvenue à l'Alliance française parce qu'ici, vous trouverez des super professeurs, des professionnels, des gens qui aiment la langue, la culture française. Et vous allez aimer aussi le français et ce pays. En plus, c'est une super équipe, il faut bien le dire, qui accueille hyper bien ici à l'Alliance française. D'ailleurs, qu'est-ce que vous avez tous envie de dire à nos téléspectateurs qui vous regardent? Bienvenue à l'Alliance française. On pouvait pas mieux dire.